Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est reparti, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine, comme ça je vous montre l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau-demoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo. Je vous mets les liens vers souvent toutes mes fiches Ravelry, soit vous retrouvez le patron, la taille du vêtement, la taille des aiguilles, les laines, les coloris, bref, j'essaie de bien renseigner mes fiches Ravelry et je vous mets tout en dessous. Je suis contente de vous retrouver, donc fin des congés pour moi, pour nous, la famille. Manco que les garçons sont toujours en vacances, mais voilà, reprise du boulot aujourd'hui. Ça a piqué ce matin, là ça pique, je vous avoue que je crois qu'il va falloir quand même plusieurs jours pour reprendre le rythme. Pour une fois cette année, on avait vraiment réussi à... Parce qu'habituellement, les années précédentes, on a beau être en vacances, on a toujours le même rythme qu'avant, tous les jours on se lève à 6h. Mais là, cette année, non, on a bien décroché et là, le réveil ce matin, il était un peu rude. Même si on s'est jamais levé, fait des grasses matins, en grand max, c'était 8h, 8h30 pendant les vacances. Mais c'est vrai que c'est pas habituel chez nous, ça a vraiment fait du bien. Enfin bref, toujours pour dire que ça pique, que c'est un peu fatigué aujourd'hui. Mais moi je suis contente de retrouver le travail, de retrouver mes petits loulous. En 3 semaines, bah, y a quand même du changement, des évolutions. Et puis bah, de retrouver un peu mes moments calmes dans la maison, de retrouver ma petite routine. Moi franchement j'aime bien. Voilà. Là, la première semaine, je vais être contente. Après, je vais me dire, bon, vivement les prochains congés, mais pour l'instant, je suis contente. Donc voilà, je vous retrouve. D'ailleurs, avant que j'oublie, je vous ai mis avant des petites images que j'avais tournées chez Laine de Mood parce que j'ai complètement oublié de vous les mettre dans le vlog précédent. Ça avait été dur de refilmer tout un podcast, d'enchaîner avec le montage pour que ça soit pile bien sorti dans les temps. Pas forcément évident, mais donc j'en ai raté, donc je vous ai mis les petites images que j'ai pu tourner chez Laine de Mood, comme je vous ai dit. Vous pouvez la contacter pour aller prendre rendez-vous dans son showroom et papouiller la laine et tout. Grand mur de... Bah, ça fait 2 grands murs de laine quand même, bah, bref. C'était vraiment chouette et c'est ce que je vous ai mis dans les petites images juste au début du vlog. Pas totalement, je crois, pas encore à jour dans tous les commentaires, mais j'ai quand même eu... J'ai essayé de rattraper surtout ceux des vacances, pas du tout du dernier épisode, mais ceux des vacances avant. Et merci énormément parce que je suis toujours extrêmement touchée par tout ce que vous pouvez me dire et tout. Voilà, je suis sans voix. Vous êtes vraiment d'une extrême gentillesse et ça me touche toujours autant, même au fil des années. Voilà, le partage avec vous, c'est grandiose et c'est vraiment top et ça me motive à revenir. Et donc on est reparti... Bon, je fouille pour une nouvelle année, hein, on va dire une nouvelle année scolaire. C'est reparti. Alors, comme je vous avais montré dans le dernier épisode, en ce moment, je tricote le châle Bobbles de Andrea Mouri, que je tricote en duo avec Laura de Laine Poudrée. Elle m'avait très gentiment proposé de le tricoter, ce modèle-là, avec elle. Donc, j'ai accepté parce que ça faisait un moment que je voulais faire ce modèle-là. Mais à chaque fois, il y avait autre chose qui passait devant. Et là, au moins, c'était l'occasion de le faire. C'est fait et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je suis vraiment contente. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Hop, il y a tout qui tombe à terre, c'est pas grave. Alors, depuis que je vous l'ai remontré dans les derniers épisodes, j'ai avancé un petit peu parce que j'ai fait de la brioche. On est sur l'endroit, oui. Donc, voilà le Bobbles Andrea Mouri. Il commence par cette pointe-ci. On fait des rayures en point mousse. On a de la brioche bicolore. Alors d'abord on fait un coloris qui est mis en avant du côté... Bon bah, vous voyez on alterne les deux coloris. Et là j'ai mon coloris B, là j'ai mon coloris A. Du même côté on alterne, c'est très joli. On a la dentelle. Et là je recommence exactement la même chose mais avec mon coloris C. Le deuxième coloris contrastant. Donc là c'était un zinzindigo de chez By Night qui étend les tons rose, violet. Et là, c'est également un zinzindigo, mais plutôt dans les tons violet-bleu. Et en fait, le bleu est tellement très clair que ça se confond un peu avec mon naturel, qui est donc de l'alpaga peigné de Passion de Marilo. Très agréable, cette fibre à tricoter. Oh, j'adore. Elle a un petit côté poilu, mais elle est toute douce et vraiment, j'aime beaucoup. Et alors, je vous l'avais montré, j'avais fini ma section de rayures. Alors j'ai pris un petit peu d'avance sur Laura, alors je vais pas avancer trop vite dessus cette semaine. C'est un peu dur de se retenir parce que j'adore la brioche. J'ai déjà fait la première partie de la brioche
Et là, en fait, je dois refaire la seconde partie, mais en faisant passer le blanc de ce côté-ci et ce coloris-là passera au dos. Vous voyez, si je vous montre, en fait, c'est comme si j'en étais ici. Il me reste ça à faire. Alors, je vous avais dit dans mon dernier épisode que pour une première brioche, je suis pas convaincue, je suis pas sûre que ce soit le meilleur modèle si on n'a jamais fait de la brioche, parce qu'à part, on fait un rang de mise en place pour la brioche et après le rang tout de suite après, il y a déjà des augmentations et des diminutions. Alors vous n'avez même pas eu le temps de comprendre comment se faisait la brioche, qu'il faut déjà faire augmentation, diminution. Je trouve que c'est pas le meilleur châle pour s'essayer à la brioche. Voilà, vaut mieux faire un châle. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait d'augmentation dans le châle, mais je trouve, à mon sens, que c'est quand même bien quand on a plusieurs rangs de brioche simples, où il n'y a rien, qu'il faut juste comprendre comment fonctionne la brioche. Voilà, quand on a 5-6 rangs, on comprend bien comment ça se fait. Et ensuite, voilà, après faire des augmentations. Là, dès le départ, vous avez des augmentations, donc c'est pas le modèle que je recommanderais pour directement essayer la brioche. Mais en tout cas, j'aime beaucoup beaucoup le tricoter, il est très agréable, et pour l'instant, moi, je me régale. Il a déjà une bonne longueur, quand même. Vous voyez, hop, déjà assez long. Voilà. Donc là, je fais encore la brioche, après j'ai une section de dentelle, la même, c'est vraiment la même chose qu'on répète, et la dernière section qui est toute la bordure, mais avec un sacré morceau de brioche, et avec beaucoup, je pense, de diminution, d'augmentation, avec des motifs dedans. Bon, je vous redirai au moment où j'en serai. Mais voilà, donc celui-là j'avance tranquillement, j'essaye de pas... Voilà, on est avec Laura, on essaye d'avancer en même temps ensemble. Donc je verrai un peu où c'en est. Mais pour l'instant, il est mis de côté parce que je me concentre sur mon deuxième en cours. Et je n'ai toujours que deux en cours depuis la semaine dernière que je vous ai montré. Je n'ai pas recommencé autre chose, même si des fois ça me démange quand même parce que quand on fait un peu de voiture ou autre, j'aime bien tricoter quand on est en voiture. Et c'est vrai que une paire de chaussettes, c'est quand même vachement pratique. Je vous avais dit que j'allais commencer un pull, un test pour Nadia, avec Celency, donc la Argo Irisian Dr. Wools, donc son 100% Merino Superwash, coloris fourche langue. Et vous le voyez trop, je sais pas. J'allais dire, il est plus vert. En vrai, mon retour à l'écran, il est trop, je sais pas, parce que je sais pas les nuances de vert. Bref. Et plus vert, je trouve qu'il tire un peu trop sur le bleu là, enfin bref. Et donc je vous avais dit, chez Justine, donc à la mercerie une tasse de fil d'aiguille, j'ai acheté ce mohair et soie, donc le lace de Langyarn, ce vert là, pour combiner les deux ensemble. Important, celui-là il ressort pas mal et lui je trouve que... bref. Enfin voilà, les deux pour aller ensemble pour faire un test pour Nadia, j'ai fait mon échantillon. Voilà ce que ça donne l'échantillon. Alors attends, hop, si je vous reprends les deux ensemble, vous voyez, c'est le mohair et ma fingering, c'est pas le même vert. Hein. Même si vous n'avez pas le bon vert, c'est quand même pas le même vert en vrai. Et vous voyez ce que ça donne l'échantillon. Ça donne un très joli entre deux. J'aime beaucoup le rendu de la couleur. Je vous l'avais expliqué, hein. Celui-là, j'avais acheté ces trois échevaux à la première édition de Laine en Or pour faire un Zweig. Et je sais pas. Ça me plaisait pas trop l'idée du Zweig. Maintenant que j'ai trouvé une couleur contrastante, parce que dans le patron, dans le pull que je teste pour Nadia, il fallait une couleur contrastante. Je suis très contente de mon choix, j'aime beaucoup le rendu des deux ensemble, et je me dis que si j'avais choisi cette couleur-là pour mon Zweig, pour toute la partie ici, peut-être que ça m'aurait davantage motivée. J'avais choisi un gris, et j'y arrive pas. Donc voilà, mais bon... Toujours est-il que bon bah pour maintenant ça sera ça et je suis vraiment contente du rendu de ce que ça donne. Alors il s'agit du modèle Home Before Dark. Si je me dis pas de bêtises, il me semble que Nadia nous a dit que c'était inspiré d'un film ou d'une série dans lequel en fait elle a vu un pull porté par l'un des personnages. Elle a beaucoup aimé le pull et elle a reproduit. Hop, et voilà moi ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez, c'est un pull où il y a des rayures dans les côtes et j'adore l'effet. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Nadia propose dans sa version deux pulls. Propose dans le patron deux pulls. Il y a une première version
où il y a des rayures. En fait, les couleurs que vous utilisez ici, après, vous les réutilisez en grosses rayures color block tout le long du pull. Et elle a fait une seconde version, et c'est ce que je suis en train de faire, où on fait les rayures que dans les côtes et tout le reste est uni. Et là, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc on fait des petites rayures. J'ai fait ce qui est préconisé dans le patron. Elle propose un tubular Keston, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai utilisé un rose, des restes de rose que j'avais pour le faire. Et j'aime beaucoup le rendu des deux couleurs ensemble. Ça va être vraiment très joli. Et après, ben, c'est un pull vraiment tout classique, tout en jersey, en raglan. Mais franchement, ben, rien. Voilà, juste les petites rayures, ça rend super bien. Et quand il sera. Alors il sort. J'ai oublié la date, on est au mois d'août. Il doit sortir en octobre. Quand je vous montrerai en entier, vous verrez. Je trouve que ça rend super bien ces histoires de rayures dans les côtes. C'est vraiment très très joli. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai bien avancé, il me reste une vingtaine de rangs à faire avant de séparer les manches du corps. Et donc c'est ça mon objectif, c'est de finir ça, de séparer tout, de finir le raglan pour ensuite avoir que du jersey en droit. Et à ce moment-là, je pense que je reprendrai mon châle Bobbles, qui demandera lui un peu plus de réflexion. Là, c'est pas compliqué. Alors la partie qui demandait le plus de concentration, ce sont... Alors, où est-ce qu'il est? Là. Voilà, si je le tiens bien, il se tient comme ça. Ce sont les rangs raccourcis qu'on avait dans le dos, puisqu'on faisait les rangs raccourcis et on devait en faire en même temps les augmentations au niveau des raglans. C'est pas compliqué à faire, c'est juste qu'il fallait vraiment être attentif à ce qui était écrit dans le patron, à bien se repérer dans ses anneaux marqueurs. Mais voilà, c'est pas compliqué, c'est juste que ça demandait de l'attention. C'est vraiment la partie la plus compliquée du patron. Après, franchement, ça se fait tout seul, c'est vraiment très chouette. J'utilise en bloqueur de rang des petites tulipes que j'ai achetées chez Justine. Elles sont vertes, donc c'est parfait. J'utilise également mon petit marqueur de début de rang. J'ai utilisé celui de chez Apollonie. D'ailleurs, elle a rouvert sa boutique, donc vous pouvez toujours utiliser mon code de 10% de remise sur votre premier achat chez Apollonie. Donc ça, c'était sa fleur du mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et j'utilise aussi des petits anneaux marqueurs de chez Ars Mirabella. Vous ne pourrez plus les avoir, je pense, parce que je les avais eu vraiment tout au début, quand elle avait ouvert sa boutique. Les petits nénuphars, vraiment trop mignons. Mais voilà, en tout cas, j'utilise ça. Et pour le rose, eh ben, en fait, j'utilisais des restes que j'avais. En fait, une fois que j'ai su que j'allais utiliser mon vert pour le pull, au début, je pensais utiliser le gris que j'avais prévu pour faire mon sveg. Et puis, j'ai cherché sur Internet couleurs complémentaires au vert kaki, j'avais mis aussi pour parce que mon mohair tire plutôt sur le vert kaki, donc j'avais cherché couleurs complémentaires. Donc forcément, en fait, est ressorti le gris, mais est ressorti du rose. Et là, je me suis dit, ah mais oui. Mais alors, il fallait, dans ma tête, j'avais une idée de rose bien précise, il fallait que je retourne tous mes restes pour trouver. Et voilà le combo que j'utilise. Alors ça, c'est la IDID que j'ai utilisé pour mon pull Lorette. Donc voilà, la Fingering, qui c'est une marque qui n'existe plus. Et là, ça doit être du mohair de chez Langyarn, leur mohair luxe avec des paillettes dedans. Et ça doit être le reste de mon bonnet. Je sais plus lequel, le slushy bunny. Je sais plus. Bref, un bonnet que j'avais fait. Et donc voilà, j'ai utilisé les deux ensemble et j'aime beaucoup donc le rendu. Voilà pour mon encours, ce qu'on va suivre surtout cette semaine. Donc l'avancée du pull. C'est vraiment un projet simple, mais finalement ça me convient très bien cette semaine, en ce moment. Je suis vraiment contente de juste tricoter du jersey en droit à gogo, ça me convient parfaitement. Et à côté, mon châle Bobbles qui va avancer tranquillement. Donc pas vraiment d'objectif, mais voilà, je vais avancer ces deux-là. Et pour le moment, j'ai pas envie de commencer autre chose. J'ai envie de voir comment je vais avec deux encours à la fois, voir leur progression petit à petit. Si vraiment que je m'ennuie, que je me lasse, je commencerai autre chose. Hein, je m'interdis pas du tout de commencer autre chose. Mais pour l'instant, avec les deux, je suis bien. Donc on est parti pour ça, cette semaine. Ou en tout cas pour ce début de vlog, on verra bien comment ça se passe après. «
Aujourd'hui, je vais venir vous reparler de ma triangulum blanquet. Vous avez pu le voir avant, je vous l'avais dit, j'avais eu à la base en idée de refaire une couverture de reste avec ce fameux patron, qui est un patron en anglais payant. Alors en soi, vraiment très très simple, une fois qu'on a compris comment on faisait un triangle, comment on faisait l'hexagone au total, après ça allait franchement tout seul. Enfin bref, mais j'avais commencé, le premier hexagone vraiment chouette, de voir la première étoile c'est vraiment joli. Le deuxième tour déjà, ça m'avait un petit peu saoulé, c'était long. Ça prend du temps, ça prend quand même pas mal de manipulations, ça se fait donc soit avec, avec des doubles pointes, soit droite ou soit un peu flexible, si vous prenez des comme des Adi ou autre. Enfin bref, c'est... Voilà, j'ai pas trouvé ça le plus passionnant, et l'une d'entre vous m'avait dit, bah, pourquoi tu ferais pas une housse de coussin? Et je me suis dit, mais ouais, super idée de faire une housse de coussin avec ça, parce que franchement, j'aurais pas tenu le... de faire toute une couverture, non, j'aimais pas le tricoter. Alors beaucoup me disaient, ah, le rendu il est beau. Alors oui, je suis d'accord, le rendu est super beau, hein. Ça rend super bien cette couverture là avec tous ces triangles, mais à tricoter j'y prenais pas de plaisir. Alors si je prends pas de plaisir, ça sert à rien de le faire. Je veux pas que le tricot devienne une contrainte, donc j'ai fait ma housse de coussin. J'ai donc commencé par ces six triangles là. Alors vous voyez, ça forme un hexagone comme ceci, mais ça forme également une sorte d'étoile là, ça rend super bien, c'est super beau. Puis j'avais fait le deuxième tour, donc avec des restes de laine, dans des couleurs, de toute façon c'est mes restes de laine, ça pouvait pas divaguer dans trop de couleurs, hein. Alors avec quand même une note, je voulais qu'il y ait parfois des triangles un peu plus foncés que les autres. Dans l'ensemble, je voulais quelque chose d'assez clair, mais avec des petites pop de couleurs de temps en temps. Bon bah ça s'est vite arrêté puisque ça s'est arrêté à ça, et ça faisait vraiment la bonne taille pour un coussin que j'avais à la maison, que je n'utilisais plus parce que le look du coussin ne correspond plus à mes envies, à la déco de la maison, donc il était dans un coin de notre chambre, il servait pas, et bah voilà, il est vraiment super bien. Alors pour le dos du coussin, moi je vous avais dit, je voulais relever toutes les mailles, faire un truc au tricot, parce que je trouve ça me paraissait le plus simple. Vous m'avez proposé plein d'autres choses de faire avec au crochet, refaire des hexagones au crochet, de faire un leron au crochet, de prendre une housse en tissu, de venir coudre cette face-là sur cette housse, et puis voilà, d'enfiler mon coussin. Bref, vous n'avez pas manqué d'idées, mais je suis partie sur mon idée quand même première de le faire au tricot. J'avais fait, j'ai relevé toutes les mailles partout autour et j'ai fait des diminutions, mais c'était un peu plus grand que prévu. Voilà, c'est pas bien grave. Donc au départ j'ai commencé et ça se tendait bien sur mon coussin, donc j'avais vraiment pas l'impression que c'était trop grand. Puis une fois que je suis arrivée là, j'ai bien vu que ça allait être trop grand. Alors c'est pas grave, en fait j'ai beaucoup de mailles au centre là, mais ça se voit pas, c'est pas des super propres, hein, en plein milieu, mais bon, le but étant de surtout en profiter de là, donc c'est pas grave. Voilà, il y a un moment où je me suis dit, parce que moi j'avais prévu des diminutions de manière à vraiment ce qu'à la fin il me reste, ça me faisait 6 côtés, qu'il me reste 6 mailles, puis c'est tout. Loin de là, il doit me rester une centaine de mailles, je dirais, à la fin. Peut-être même plus, il m'en reste beaucoup. Au départ, j'avais commencé mes diminutions ici, un rang sur deux. Puis après, j'ai accéléré en faisant tous les rangs, en me disant, ah, c'est trop grand, on va essayer d'accélérer le rythme. Mais ça n'a pas été concluant. Pour autant, ça, voilà. Il aurait fallu, dès le départ, faire en fait des diminutions tous les rangs, ça aurait peut-être fonctionné. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai fait, bah, c'est qu'au final, mon fil, je l'ai crocheté un petit peu. J'ai fait une chaînette. Donc, j'arrive à retrouver le bout à l'intérieur, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une chaînette, ouais, pour solidifier le fil. Je vous reparle du fil après, je voulais pas qu'il casse, donc j'ai fait juste des mailles en l'air au crochet, et que j'ai passé dedans, et en fait, ben, je peux ouvrir, si je veux, complètement mon truc. J'ai juste passé 2-3 fois ce fil-là en plein milieu pour resserrer, mais voilà, en fait, j'ai pas noué rien. Donc si je veux, je peux complètement ouvrir, le rouvrir, enlever mon coussin pour laver le coussin et le remettre, laver la housse, tout ça. Au moins, c'est lavable. Ça peut s'ouvrir et se refermer. Vous voyez, après, je le cache à l'intérieur. Ni vu ni connu. Et donc, oui, bon, ça a un effet tout plissé de ce fait-là.
Mais ma foi, je me dis que c'est pas grave. Après, avec un gros bouton au milieu, ça aurait été pas mal aussi, mais ça enlevait le côté, ça peut s'ouvrir. Donc voilà, je suis contente. C'est pas perdu ce que j'ai fait, c'est quand même utile. Et puis j'aime beaucoup le rendu. Moi voilà, vous l'avez vu, je l'ai mise en mon rocking chair que j'utilise pour quand je suis avec mes petits dans leur coin, espace à jeu, de jeu à eux. Pour l'instant, sur l'assise, c'est ma couverture de reste au crochet que j'ai mise sur l'assise pour que ce soit un peu plus confortable et puis que ça apportait un peu de couleur. Et je trouve que ça va bien avec. Donc voilà ma petite housse. Et donc l'arrière, j'ai utilisé mon reste de une louve dans les bois, dans sa base Merino Yak et Soie, la base Yak 120. C'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon gilet givre, que j'ai testé pour Laetitia, même les anges tricotes, que je pourrais vous montrer la semaine prochaine normalement. Donc voilà, j'ai utilisé ce reste-là et j'ai fait un tout uni. J'aime beaucoup la couleur, il est vraiment très très beau. Ouais, j'avais relevé toutes mes mailles là au niveau de l'hexagone. Enfin voilà, donc ma housse de coussin est faite et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Et donc bah, aujourd'hui, je viens pour parler que de mon pull que je teste pour Nadia. J'ai bien avancé dessus parce que j'ai tricoté que ça. Où est-ce qu'il est mon petit marqueur? Il est là. Alors, hop, mon marqueur. J'utilise un celui qui est avec mon début de rang, le marqueur de chez Apollonie. Donc j'en étais là hier quand je vous l'ai montré, j'ai tricoté tout ça. Et vous voyez, en fait j'ai séparé, j'ai fini mes raglans, j'ai séparé les mailles, les manches du corps. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très joli. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à faire le corps. Voilà, c'est du jersey tout en rond, tout droit. Hop, oui, par contre, j'ai pas beaucoup sous les manches, j'ai que ça, mais ça y est, c'est parti pour faire tout le corps en jersey. J'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment très joli. Est-ce que. Ah non, c'est pas du tout la bonne couleur. Pas du tout. Il est plus vert bouteille en vrai que ce que vous voyez là. Ça attire vert trop un peu. Ouais, c'est un peu plus vert bouteille que ce que vous avez là. Décidément, je sens que ça va être une plaie à prendre en photo et à filmer. Chez nous, il n'y a pas de canicule du tout. Alors, certes, aujourd'hui, il fait chaud. On est le mardi, je crois qu'il y a même des départements qui sont en vigilance rouge pour la canicule. Mais donc chez nous, pas du tout. Il fait chaud, certes, il fait quand même plus chaud que les autres jours, mais pas du tout, mais pas de quoi être insupportable. On n'est pas dans le noir, j'ai pas ressorti les ventilateurs pour autant. Donc j'ai pas de mal à tricoter ce pull en fingering et mohair. Aucun souci pour ça. Et même le soir, en fait, c'est agréable d'avoir ça sur soi parce qu'on laisse la porte ouverte et le vent, l'air frais rentre. On est même un petit peu froid. Et donc, bon, c'est vraiment parfait. Donc, ouais, j'ai aucun mal à tricoter le mohair en ce moment parce que ben, chez nous, la canicule, ça n'existe pas. Donc, voilà, j'ai terminé ma première pelote de mohair. J'en ai entamé une deuxième. Et il me reste encore ça de mon premier écheveau. J'ai déjà bobiné le deuxième pour préparer, mais voilà, ça avance bien tranquillement. Donc là, c'est parti que pour du jersey en droit à gogo sur ce pull-là. Je vous retrouve aujourd'hui. Il fait super beau, super. Il fait chaud, mais pas du tout loin de la canicule. C'est même rigolo parce que sur Instagram, j'ai mis ce matin une petite story où en fait on s'est réveillé vraiment dans un brouillard. Il a fait gris jusqu'à à peu près 10 heures. Et après, voilà, l'après-midi, il a commencé à faire vraiment beau et chaud, mais vraiment rien d'insupportable. On vit pas dans le noir, il n'y a pas de ventilateur, comme je vous le disais hier. Mais c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire, bah, chez vous, il fait 40, 42 degrés, la nuit, il fait 30. Moi, ce matin, il faisait 15 degrés, quoi. Il faisait pas froid. Même quand on est sorti de la maison à 9h, on est parti de la maison à 9h30 pour aller à l'atelier au relais avec d'autres assistantes maternelles. J'ai même hésité à prendre un gilet parce que je me suis dit je vais avoir froid dehors en fait. Et au final, bon, ça a été, mais c'est voilà pour vous dire chez nous, il fait pas chaud quoi. Bon, là, si, il fait chaud cet après-midi, mais
Ouais, bref. Par rapport au reste de la France, vraiment pas aussi chaud. Et donc, bah, tant mieux, parce que moi je peux tricoter tranquillement, il n'y a pas de souci, ça me pose pas de problème. Donc, je vais vous montrer où j'en suis un peu sur mon pull fingering et mohair. Justement, d'ailleurs, je vois dans le groupe de test, il y en a certaines qui disent elles attendent un petit peu que les températures redescendent, de ce que je peux comprendre, parce qu'elles ont trop chaud. Mais bon, bah, pour ma part, retricoter du mohair, c'est pas problématique en ce moment. Mais alors, je n'ai pas beaucoup avancé depuis bah, hier, vous voyez. J'ai fait quoi? 2-3 cm, hein, c'est pas fou, mais bon, voilà. J'ai fini la fin de mon premier écheveau de fingering. Hop. Voilà. Ce que ça donne. Donc je vais entamer mon deuxième écheveau de fingering. J'alterne pas. Non, je me pose pas de questions, j'alterne pas. Après, de toute façon, en plus, je me dis, il y a le mohair qui permet de tout homogénéiser. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir bien dit le mot, mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà, donc ça c'est pour mon pull que je teste pour Nadja. Il avance tranquillement. Hier, je me suis surtout attelée à tricoter la suite de ma brioche sur mon châle Bobbles. Je vais vous montrer, j'ai fini ma brioche. Alors, l'endroit de l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous avais montré jusqu'ici. Ouais, c'est ça, jusqu'ici, et là j'ai fait cette partie-là de brioche. En fait, on l'a fait en version contrastée, on fait le coloris, son autre coloris sur le devant. Alors j'étais, ce que je regardais, voilà, je regardais, j'étais sur mon patron, j'ai changé de page, et je revois une photo du châle d'Andrea, Maurice, sa version à elle, et je me suis dit, oh, je me suis trompée, j'ai l'impression de ne pas avoir la même chose. Mais c'est parce que moi j'ai pas de couleur fort contrastée au final. Ces deux-là, c'est vrai que j'ai vraiment une zone bien. Moi, mon châle, il est quand même tout. Même s'il a... il y a des nuances, mais il a une bonne base de clair. Ouais, là, j'ai quand même plus de contraste. C'est vrai que là, on est voilà, sur quelque chose d'un peu fondu, tout ça. Alors j'adore le rendu, hein, je suis vraiment contente. Mais c'est vrai qu'Andrea Mori, elle se retrouve avec toute cette section-là. Elle est bleue, bleue qui pète, moi. Bleu intense quand même. Et je me suis dit, mais en fait, alors moi je l'ai regardé en plus sur une toute petite image, on voit même pas les rayures, on voit pas la brioche, on voit juste que c'est toute une zone bleue. C'est vrai que, bah, en fait, au final, moi de loin, bah, ça fait très très blanc. Mais sur le coup, j'ai eu peur, je me suis dit, ah, je me suis trompée parce qu'on voit bien ces zones de dentelle sur ça. Ça fait vraiment deux blocs blancs, sa dentelle, donc ça se voit bien. Mais après, elle a vraiment toute une pointe jaune. Tout a un morceau central fort bleu et ouais c'est un peu ça n'a pas le même rendu que ma version à moi. Moi je trouve que ben, on voit mieux les nuances, puis de toute façon moi ben, on voit mieux les rayures et avec les nuances ça fait plus des petites taches un peu partout. J'aime beaucoup le rendu. C'est plus doux, c'est moins tranché. Et bon j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Donc là j'attaque la dentelle. Donc c'est exactement la même chose, ça va être la même dimension, puisque là ben, il y aura beaucoup plus de mailles. Ouais, il y a beaucoup plus de mailles sur la nouvelle section, mais voilà, c'est la dentelle. Et enfin, c'est la bordure finale où il y a la brioche avec des bobbles dedans. J'ai jamais fait de nope dans de la brioche. On verra bien. Mais bon, faut déjà faire toute la dentelle. C'est quand même pas une mince affaire. Faut être bien concentré dessus, tout ça. Moi, je vais pas mettre de nanomarqueur à chaque motif parce que c'est quand même. Il n'y a pas énormément de mailles entre chaque motif et ça ferait beaucoup, beaucoup nanomarqueurs. Donc je vais pas mettre d'anneau-marqueur, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui demande de l'attention. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, quoi. Donc si à la fin de la semaine j'ai fini la dentelle, ça serait déjà pas mal, mais je pense pas que pour la fin du vlog on ait la fin de la dentelle. On verra. Au niveau des laines, eh ben je n'utilise plus mon coloris C. Ouais, c'est ça, c'est le coloris C. Et j'ai utilisé à peu près ce qui est préconisé dans le patron. Elle disait 50 grammes, il fallait utiliser. Et j'en ai utilisé 46. Donc je suis bon, je suis comme dans le patron, il n'y a pas de souci. Et je viens d'entamer mon deuxième écheveau de Passion de Marilo, l'Alpaga peignée. Je viens juste de commencer mon deuxième écheveau. Donc là, je vais faire toute ma dentelle juste en blanc, en naturel. Et ensuite, je vais reprendre ce coloris-là pour faire toute la bordure finale en brioche. Donc, ma brioche, ça sera ces deux couleurs-là ensemble. Ça reviendra à peu près à ce qui est là. Alors ça, pop.
Le rendu, ça sera vraiment plus le violet au-dessus, puisque ce sera vraiment. Il n'y a pas une histoire de. On fait toute la brioche la même couleur, toute la bordure. Il n'y a pas de contraste comme ici. Donc, ça sera vraiment que de la brioche comme ça pour la fin du châle. Voilà pour mes petites avancées du jour. Ça avance tranquillement. Et je pense pas non plus que j'aurai fini le corps pour la fin de la semaine. Ce sera certainement pour ce week-end. Je vous retrouve. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vais vous montrer un peu l'avancée de mon pull. Bon, ça reste toujours que du jersey. Du jersey. Une mère de jersey, mais ça me va bien. Je vous ai mis juste avant parce que voilà, c'est un fil de fingering avec un fil de mohair. Moi, j'arrive à tricoter sans regarder mon tricot. Donc, je tricote, je tricote, je tricote. Là que c'est du jersey, je fais pas très attention. Et ça m'arrive, parce que c'est déjà la deuxième fois depuis que je suis sur ce projet-là, de ne tricoter qu'un fil sur deux. Et là notamment, j'avais tricoté que le fil de mohair. Donc il y a un moment où parfois je me. Ben, quand même quand je pose mon tricot, je le regarde et là c'était tombé où je l'ai vu. Il y avait quand même pas mal de rangs. Hein, ça c'est un moment que c'était là que je m'en étais pas encore aperçue. Mais oui, effectivement, j'avais tricoté que le fil de mohair. Et donc, bah ça se voit, ça fait un trou. Quand il manque quand même le fil de fingering, ça fait quand même un beau trou. Donc j'ai détricoté toute cette maille. Donc j'ai bien fait attention d'être dans la bonne colonne. J'ai détricoté toute la maille jusqu'à la maille en question. Et puis avec un crochet, bah j'ai repris chaque rang, chaque maille pour remonter en faisant bien attention de prendre les deux fils. Parce que là aussi, des fois, bah, je rate et je prends qu'un fil. Donc bah je refais bien et je suis remontée jusqu'en haut. Alors ça fait une petite marque pour l'instant parce que le tricot il n'est pas encore lavé. Mais je me fais pas souci, au lavage ça partira. Alors j'essaie de vous montrer. Je crois que c'est sur le devant en plus. Où est-ce que c'est? Ah bah non, c'est dans le dos. Je ne sais plus. J'arrive pas à voir. Pourtant je l'ai fait aujourd'hui. Mais j'arrive déjà plus à le trouver. Ah si là, ça se voit un petit peu. Vous voyez là, ici on voit bien, on a une ligne. C'est léger, hein. Puis en plus, vous voyez, j'ai eu du mal à le retrouver s'il est comme ça. Bah maintenant qu'on sait où c'est, on le voit. Mais clairement, bah au lavage, ça va bien si c'est, ça va bien se remettre. Et je sais que ça ne se verra plus du tout au lavage. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on regarde pas son tricot. Bah forcément, on fait des erreurs. Et voilà donc bah, où j'en suis. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce rendu. Ouais, ce vert. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je pensais pas autant aimer cette couleur-là. Pour l'automne, ça va être bien. Ça va être bien. Depuis hier, je vous l'ai montré. Hier, j'en étais. Hier ou avant-hier? Bon, bref. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. J'ai tricoté tout ça sous les emmanchures, donc ça avance bien. Il me reste moins d'une dizaine de centimètres, il me semble, avant les codes. Donc, je suis super contente. Moi, je vais le faire comme préconisé par Nadia, les mêmes longueurs. Je pense que ça ira très très bien. C'est un pull avec beaucoup de côtes en bas pour rejouer, en fait, pour permettre à nouveau d'avoir des rayures, tout ça. Il y a quand même pas mal de côtes en bas, donc il y a moins de corps et ça donne l'impression d'aller plus vite. Parce que clairement, je pense que les côtes avec les rayures, ça va être hyper motivant. Donc là, il me reste moins de 10 cm à faire sous les emmanchures et j'aurai fini. Je me rends compte à la caméra quand même qu'on voit des nuances que je ne vois pas du tout en vrai. Ah si, maintenant que je fais attention, oui. Et je me dis,
En fait, là, on voit bien les marques. Il est un peu plus nuancé, mon deuxième écheveau. Avec le mohair, franchement, en vrai, ça se voit pas du tout. C'est comme toujours, hein, vous pouvez l'entendre dans toutes les vidéos. À l'écran, les contrastes en vidéo sont quand même plus forts que dans la réalité. Et c'est vraiment léger. Alors moi, en vrai, je m'en étais pas encore rendu compte. C'est vraiment là parce que je vous le montre à l'écran. Mais ouais, avec le mohair, bah, ça camoufle ces nuances. De toute façon, je m'étais dit, si j'avais fait mon svec, c'est des écheveaux que j'aurais alterné tout du long du corps pour éviter d'avoir des démarcations. Là, comme je le tricotais avec un mohair, je me suis dit que bon, ça allait être fondu dans le mohair, que ça serait pas un problème. Donc en vrai, c'est pas du tout, c'est pas voyant, il n'y a que là à la caméra. Enfin bref. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui en fait. Je n'ai que ça, j'avance. Un mohair, arrête pas de me chatouiller, c'est terrible. Ça avance bien. J'ai hâte d'atteindre les côtes parce que ça va être chouette de refaire des rayures. J'ai avancé un petit peu sur ma dentelle du Bobbles, mais vraiment que quelques rangs. Donc je vous montrerai demain pour la fin du vlog. Alors j'avoue, alors je remarque bien que un seul en cours, ça serait pas plaisant. Même là, deux, c'est un peu. Voilà, c'est un peu juste. Pour l'instant, je me retiens de pas commencer autre chose, mais c'est vrai que j'ai des couvertures de bébé à tricoter, je me dis, ah, je pourrais lancer ça, ou lancer une paire de chaussettes. J'avoue que l'envie est bien là, j'ai bien envie de quand même de questionner quelque chose, de monter un autre projet, ouvrage. Je me retiens. Quand je vois quand même que là, bah, j'avance super bien sur mon pull, et puis même sur mon chat, j'ai bien avancé dessus. C'est vrai que voilà, d'avoir peu d'encours, on avance vraiment bien dessus, mais je crois que je préfère aller un peu moins vite et avoir plus de projets pour tourner. Et puis même en plus, pour vous montrer, c'est quand même plus intéressant que là de faire que deux ouvrages à la fois. Mais je suis contente parce qu'au moins avec mes vacances, j'ai pu réessayer vraiment d'être mono en cours. Alors j'avais vraiment pas le choix quand j'étais en vacances. Je pense qu'être mono en cours quand on filme pas, c'est bien. Mais là, j'ai quand même la contrainte pour essayer quand même d'avoir un contenu assez varié pour vous et divertissant, bah avoir plusieurs en cours c'est quand même beaucoup mieux que d'être mono en cours. Et là deux c'est quand même un petit peu limite je trouve. Enfin voilà, j'aurais essayé. J'ai testé. Mais je pense que même à moi, ça me convient pas. C'est pas ce qui me convient le mieux. Enfin voilà, donc on se retrouve demain pour la fin du vlog et je vous montrerai bon, bah, pas grand-chose je pense sur mon pull et un petit peu de mantel sur mon châle Bobbles. On se retrouve pour la fin de ce vlog et aujourd'hui je porte un tricot. Ça fait longtemps en vlog que j'avais pas mis un tricot. Il s'agit du t-shirt Afterbeach d'Atelier Emily. Je vous ai fait sa petite vidéo dédiée à propos de ce modèle-là. Bah le voici. Je suis contente. J'aime beaucoup. Voilà, je l'ai fait la version col rond comme c'est prévu d'origine, mais vous pouvez maintenant avoir la version avec le col V. C'est mise à jour dans le patron. Donc il est assez ample. Alors j'ai quand même eu chaud aujourd'hui parce que il a quand même fait plus chaud que je l'aurais cru. Mais pas au point où ça soit insupportable et que je me dise ah je vais me changer tout ça. Non, j'ai quand même gardé toute la journée. Et voilà, maintenant qu'on est en fin de journée, c'est quand même. Il est agréable à porter. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer mes petites avancées tricot. Je reviens sur le pull que je teste pour Nadia. Je vous l'ai montré hier, hein, que j'étais venue vous montrer que ça hier, il me semble. Mais j'avance un petit peu dessus. Hop. Vous voyez, j'ai fait quelques centimètres, quelques rangs. Donc bon, ça se poursuit, ça se poursuit. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est du jersey en doigt. Ça roule tout seul. Hop, on tricote ça devant la télé le soir, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai un tricoté avec les copines ce week-end. Ça sera certainement mon encours qui va me suivre parce que vraiment, voilà. Du jersey sans réfléchir, c'est nickel quand on papote avec les copines. Et mon autre encours qui a bien avancé, il s'agit de mon châle Bobbles. Il n'y a pas d'autre encours encore, j'ai pas craqué, j'ai rien commencé.
J'essaie de vous montrer ça et voilà où j'en suis. J'ai fait la moitié. J'en suis à la moitié de la dentelle. J'ai répété une fois tout le diagramme complet. On voit ce que ça donne. Alors maintenant que j'ai déjà fait la dentelle une première fois, je trouve que je m'y repère mieux, je comprends un peu mieux la logique. Bon, à chaque début de rang, je regarde ce que je dois faire et après je le répète. Comme on le répète tout le long du rang, ça retient bien. C'est vraiment pas beaucoup de mailles. Le motif, c'est, vous voyez, entre mes deux doigts, c'est que ça. Et alors vous n'allez peut-être pas le voir, mais c'est cerclé de. Chaque motif est entouré de mailles en vert. Vous voyez, sur l'envers, ça fait des colonnes de mailles en droit, ça se voit bien. Donc vous voyez, c'est vraiment là, entre les deux mailles en droit, c'est un motif. Donc on le répète vraiment plein, plein, plein de fois tout le long du rang. Et ce qui en fait permet de ne pas avoir besoin d'anneaux marqueurs, puisqu'on a ces mailles en vert qui reviennent très régulièrement. Si vous tombez pas bon, c'est qu'il y a une erreur là dans les quelques mailles juste avant normalement. Donc on se rend vite compte si on fait une erreur. Ça c'est bien. Et il n'y a pas besoin donc d'anneaux marqueurs, parce que sinon vous voyez, ça m'en ferait quand même beaucoup. Donc j'ai répété une première fois la dentelle, il faut que je la répète une deuxième fois avant de commencer la bordure finale. Voilà, je sais pas trop si ce week-end ça sera fait ou pas. Je verrai ça dans le prochain vlog. Mais voilà ce que ça donne. Il a déjà une très très bonne longueur. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il est déjà très long. Il n'est pas très large. Je sais pas combien j'ai de mailles. Non, alors je sais pas combien j'ai de mailles au total sur mes aiguilles. Donc je sais pas, je saurais même pas vous dire. 250, 300 peut-être grand max. Moi je sais pas, je trouve pas que si les rangs ils commencent à être longs, mais voilà, c'est pas si long que ça. Je trouve que par rapport, voilà, il grandit, il s'allonge beaucoup plus rapidement qu'il ne s'élargit. Ça va être vraiment un grand châle pour s'emmitoufler dedans pour faire plusieurs tours, ça va être vraiment sympa. Voilà, donc lui, bah, il sera encore là la semaine prochaine et puis certainement fini courant de semaine prochaine. Vous verrez encore un petit peu mon pull que je teste pour Nadia jusqu'à ce que j'arrive à la fin du corps et ensuite il faudra attendre sa sortie courant octobre pour le voir en entier. Et donc l'ouvrage prochain, c'est ce que vous avez pu voir dans les petites images avant, je vais tricoter ce fameux dégradé de couleur que j'ai. Je vous en avais parlé avant mes vacances et j'avais même soumis l'avenir de ces vieux chevaux au vote du public, ça me faisait rire cette histoire. Je vous avais demandé de voter entre deux modèles parce qu'à la base je m'étais dit j'allais faire le châle What the Fade d'André Amaury. L'une d'entre vous m'avait soumis l'idée de faire un gilet et ça m'avait fait quand même pas mal douter. Alors je crois que j'avais tout de même une préférence pour le châle. Parce qu'il n'y avait rien à réfléchir, il fallait juste suivre le patron à la lettre sans problème. Mais voilà, j'avais quand même un doute, mais j'avais quand même une petite préférence pour le châle. Et vous avez choisi, mais vraiment en grande majorité, le gilet. Donc ça sera le gilet, et c'est ce que je compte commencer après mon pull. Je ne peux pas le commencer avant, puisque c'est les mêmes aiguilles, je vais le tricoter en 4, et que j'ai qu'une seule paire d'aiguilles en 4. Donc bah, ça attend tranquillement son tour. Et voilà. Hop, pour rappel, mes petites laines. Donc ça va être le gilet, le pouf de je ne sais pas qui, la créatrice qui est derrière la marque de teinture Hedgehog Fibers. Le patron, il est gratuit sur Ravelry, bon, uniquement en anglais. J'ai pu voir que des gens trouvent qu'il a un qui s'ouvre, qui se ferme pas assez, que les devants sont pas assez grands. Je verrai au fur et à mesure. On verra bien. J'ai regardé un peu, j'ai étudié un peu le patron pour voir. Faire mes changements de laine, quand est-ce que je les fais, combien de rangs avec une couleur, tout ça. Enfin bref, voilà, j'ai commencé un peu à potasser le sujet. Et comme ça, bah, ça sera certainement l'ouvrage que je commencerai la semaine prochaine et que vous allez pouvoir suivre tranquillement bah, dans les semaines à venir parce que ça va être quand même un sacré morceau. Donc pour rappel, je vais utiliser notamment des laines de Bulle Bizarre. Donc ici, on a le coloris Bulle Bizarre. Ici, on a le coloris Sorbetto. Donc le premier, il est avec de la Stelina, le deuxième, il n'en a pas. Bon, c'est pas grave. J'aurai un écheveau de Tricot et Stitch, son coloris Sweet Art. Parce que je trouve que là, il permet vraiment bien de passer de l'une à l'autre couleur. Là, on a la voie de l'eau. Et enfin, je terminerai avec bah, Carapuce. Et celui-ci qui est Crystal Orchid. Alors j'ai. Parce que c'est pareil, il fallait faire un choix, soit je partais du violet vers le vert, soit l'autre sens. Je vais commencer par le vert, donc vraiment le vert c'est ce que j'aurai là, ces couleurs-là, c'est vraiment ce que je vais avoir sur le haut du gilet. Et après tout doucement, on va aller vers ces couleurs-là, ces teintes-là.
La bordure, les côtes à la fin seront avec cette couleur-ci, et c'est cette couleur-ci qui sera rappelée tout le long du gilet. Alors, je sais que je sais pas trop si... Bon. Vous savez que tout le haut du gilet, bah, j'aurai le haut hein, comme ça, mais tout les côtes en fait qui font l'encolure, le... Or, comment on appelle ça? Bah, la patte de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton. La bande d'encolure en fait, mais qui fait tout le gilet, eh ben, elle sera de cette couleur-ci, même en haut du gilet qui sera lui pourtant vert. Mais de toute façon, peu importe dans quel sens, soit mon gilet il était en haut, il était comme ça, et la bande d'encolure elle était de cette couleur-là. Donc ça tranche un peu, ça tranche beaucoup, mais voilà. Après, je sais très bien que ça va être un gilet quand même assez fou au niveau des couleurs, tout ça. C'est, je sais à quoi je m'attends et tout, et c'est pas grave, je trouve que ça va quand même rendre vraiment joli, j'aime beaucoup tout ça. Donc voilà ben, ce qui va arriver bientôt sur mes aiguilles, que il me tarde d'essayer ça. On va dire que c'est mon dernier gros projet d'été, parce que voilà, c'est vraiment les couleurs bien peps, bien vives, avant de se plonger complètement dans les projets d'automne. Voilà, pour le futur en cours qui arrivera juste après mon pull. En fait, une fois que j'aurai fini le corps de mon pull, les manches, comme je les ferai sur des mini circulaires, j'aurai libéré mes aiguilles et donc je pourrai faire ça. Et je pourrai vous dire un peu comment tout ça se passe au fur et à mesure. Donc voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Bah, j'étais bien contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog et c'est reparti pour un long moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye !